Aujourd'hui, on organise la 10e session du Conseil de la négociation collective, qui est un conseil tripartite. Il est consultatif, vrai, mais il est très important parce que c'est un espace de dialogue social entre les trois parties, c'est-à-dire les représentants du gouvernement, mais également les représentants des syndicats les plus représentatifs et les représentants des organisations professionnelles. C'est un conseil qui est institué par les dispositions du Code du travail et qui doit se réunir au moins deux fois par an. Le rôle principal de ce conseil, c'est la promotion de la négociation collective et de la convention collective au travail. Cette session, il va porter sur deux sujets très importants, notamment le bilan de la négociation collective courant 2018, mais également courant les 9 mois de 2019, pour voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire, mais également pour définir quels sont les points de force et les points de faiblesse pour améliorer et promouvoir encore la négociation collective au sein des entreprises marocaines. Et le deuxième point, qui est également très important, c'est discuter et définir un petit peu les difficultés qui entravent parfois le processus de la négociation collective. Et vous savez, la négociation collective aujourd'hui, elle est devenue très importante. Vu la révolution technologique que connaît le monde du travail et les changements rapides que connaît le monde du travail, donc on a besoin d'une législation du travail qui suit un petit peu ce changement, ce changement de mécanisme et de relations de travail au sein du monde du travail. Et ça ne peut être fait et ne peut être suivi qu'à travers le droit conventionnel. Et quand je dis le droit conventionnel, c'est la convention collective parce que c'est le seul moyen pour prendre en considération les spécificités des secteurs productifs et également les spécificités des différentes entreprises. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.